Salut salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc ça va être sur Super Mario Maker qui est sorti sur Wii U il y a peu de temps, tout récemment. Et en fait Super Mario Maker c'est le jeu qui fête les 30 ans de Mario. Donc voilà, ils ont sorti ça pour l'occasion. Et on va voir ce que ça donne. On va se lancer une petite partie. Alors par contre je vais pas partir en créativité, je vais partir pour jouer. Parce qu'en création je suis super mauvais, donc c'est le jeu, si vous le savez pas en fait... Il regroupe un petit peu tous les mondes de Mario. Donc on peut créer soi-même ses niveaux et c'est un petit peu du jeu à l'infini, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se partir sur un petit défi. On va aller dans Stage du Monde. Donc il y a le défi des 10 Mario aussi, c'est-à-dire c'est les niveaux que les créateurs du jeu ont fait. Mais nous on va aller sur les niveaux que les joueurs ont créés. Donc on va se faire un petit défi des 100 Mario. Voilà. On va se la faire. Nouvelle partie. Vous disposez de 100 vies pour venir à bout de 8 stages sans cesse renouvelés, créés par des joueurs du monde entier. Et ben on est parti là dessus on va se lancer une nouvelle partie. La princesse Peach a été enlevée. Ok. Oui, alors pour ceux qui ont le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer vos niveaux, par exemple dans les commentaires, sur Facebook, Twitter. Je me ferai un plaisir de vous les faire en vidéo. Par contre j'éviterai de vous envoyer le mien parce qu'il est vraiment tout pourri. Je suis désolé, mais... Allez, donc là, on a un niveau créé par Iron. Et, oh, yes, il a choisi un stage Wii U. Ok, d'accord, j'imagine que ça va être des Goombas tout long. Oh, non! Yes! Ah, ça, c'est bon, ça. Je l'ai pas gardé longtemps. Putain, il a l'air chaud quand même, son niveau, vite fait, hein. Ouais, en fait, il était très facile. Il était plutôt facile celui-là. Tranquille. C'était le début, on va dire. Stage terminé. En tout cas, ça me fait super plaisir de retourner sur Mario. Allez, on va y laisser une petite étoile pour son niveau. C'était quand même sympa. Allez, on est parti. Voilà. Donc oui, parce qu'on peut voter pour les niveaux des autres en laissant une petite étoile, un petit commentaire par exemple. Un niveau créé par Chin. Ah, vous voyez? Oh putain. Ça commence fort. Vous voyez là, c'est pas déjà... C'est déjà pas les mêmes niveaux là. Je parie que là-bas il y a un champignon. Ok. Voilà, là c'est vraiment niveau Super Mario Bros sur NES quoi. Ah, je vais voir s'il a pas laissé un petit secret par là, non? Oh, regardez. Ah ouais, carrément. Oh! Ok, d'accord, bah en fait on était obligé de passer par là. J'ai loupé le truc. Ok, d'accord. Bon, c'était sympa, ok. Bon, bah, on va passer au niveau suivant. Stage terminé. Allez, continuez, c'est parti. Donc, niveau créé par Chin. Bah, Chin, il était pas mal ton niveau. Bon, c'était un anglais. Non, oui, ça, j'ai pas bien vu. Ah, Tweety. C'est quoi, c'est le drapeau de l'Allemagne, ça, non? Je sais plus. Allez, on est parti. Oh! J'ai oublié de sauter. J'ai complètement oublié de sauter. Alors, pour ceux qui ont la console aussi, n'hésitez pas à me laisser... Non. Pour ceux qui ont la console, plutôt, je vous laisserai mon identifiant de Wii U. Vous me demandez via les commentaires et je vous le laisserai comme ça. Pourquoi pas se faire quelques parties ensemble. Voilà. Ça pourrait être vachement sympa. Ah, j'ai même pas eu... J'ai même pas eu jusqu'à la boule verte. Mais bon, c'est pas grave. Alors aussi, j'espère que je vais pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Parce que si certains le savent, avec les jeux Nintendo, c'est un petit peu sensible, on va dire. S'il y en a qui font des jeux Nintendo sur leur chaîne, par exemple, que ce soit du Mario Maker ou autre, dites-moi ce que vous savez à propos des droits d'auteur, parce que je voudrais vraiment pas risquer pour ma chaîne, quoi. J'ai pas envie de me la faire clôturer à cause d'un jeu, par exemple. On sait jamais. Donc vraiment, si vous savez, laissez-moi un petit message, ça m'aiderait beaucoup. Oh la vache, il a mis des Goombas partout, lui. Non, c'est pas des Goombas, c'est des tortues. Oh! Ouais, simple. Ça va. Même mon niveau, il est plus long que ça. Enfin, je vais rien dire, il est pas fini, le mien. Je vous le montrerai après. Je vous montrerai mon niveau après. Ok, on va continuer. Ah, ça va, déjà 5e niveau.
Help, help, ah, bah, j'y arrive. La princesse, de toute façon, dans tous les Mario, elle se fait tout le temps enlever. Ça, c'est le coup classique, j'ai envie de dire. Oh, yes! Un petit château de Koopa. Oh! Ok, d'accord. Ok, ah, regardez. J'ai vu un truc au-dessus. Il y a les haricots magiques. Ouais, ouais. Regardez. Ah, voilà, regardez le petit filou. Hein? C'est pas mal, hein? On peut passer comme ça. C'est bien pensé. Un petit champignon. Yes. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, yes, une fleur. Tiens, prends ça. Ici, ok. Ah, oh, il y a un Goomba là-haut. Ouf. On va aller le débusquer. Je vais aller le chercher, tiens, le Goomba. J'ai bien envie de me... Ah bah, il est coincé. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, on va le laisser tranquille, alors. Ok. Bon, ça, c'est de la pièce, tranquille. Ah, je me souviens vraiment de cette musique. Parce que moi, ça fait longtemps que je connais les jeux Mario. Hein. J'ai joué à Mario, je devais même pas avoir une dizaine d'années. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore une fleur. Bon, ok, bon, bah j'imagine que je vais sortir l'autre côté. C'était sûr. Non. Oh non. Non. Ah, dites-moi qu'il y a une fleur, là. Non, il y a une pièce. Bon, c'est pas grave. Il y a... va bien y avoir un endroit où il va y avoir une fleur, non? Même pas? Ok. Bon, pour l'instant, il est pas trop mal, ce niveau. Il est bien pensé, hein. Parce que, mine de rien, franchement, il faut vraiment avoir de la créativité, hein, pour faire des niveaux, hein. Ce que je n'ai pas du tout. Je suis... Attendez. Je vais d'abord peut-être aller voir l'autre côté. Je suis, mais absolument nul. Pour ce qui est de faire les niveaux... J'ai essayé, hein. Bon, après, c'est vrai que... Je viens d'avoir le jeu aussi, donc... J'ai peut-être pas encore toutes les mécaniques. Bon, après, je suis pas designer non plus, hein. Voilà, impeccable. Mais c'est vrai que... Oh, c'est marqué quoi? Attendez, c'est marqué en dessous. Ah, Koopa! Koopa Vania! Koopa Vania! Ah, yes! Ok. Bah, il n'y avait pas de Koopa? Il a pas mis de Koopa. Alors, faut savoir aussi que pour la créativité des niveaux, tous les jours, on va débloquer de nouveaux éléments. Donc, dans les décors de Mario. Et on va pouvoir débloquer vraiment plein d'éléments. Vraiment beaucoup. Et moi, j'en ai pas beaucoup, vu que c'est tous les jours, on en débloque un petit peu. Mais, il y a un moyen de cheater, on va dire. C'est-à-dire, pour débloquer tous les éléments, si on veut, on peut avancer la date de la console. C'est-à-dire que si on avance la date de la console, eh ben, ça va nous débloquer tous les éléments. Mais, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça, je pense, parce que... Après, je vois plus trop d'intérêt à jouer. Oh, c'est... Oh, c'est pas mal fait. Voilà, moi j'aime bien débloquer par moi-même les niveaux. Oh non! Ah ouais, j'ai cru que j'allais pas pouvoir passer. C'est quand même pas mal foutu. Hein. Oh putain. Oh lui! Lui il va sortir! Je vais. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça et hop, je me casse! Oh! Non! Je m'en doutais. On va la refaire. Amnesia, Ghost of the Past. Ok, d'accord. Allez, on va la refaire bien. C'est parti. Ça fait des bruits bizarres quand on rentre dans les portes. Oh, bah attendez, regardez ce que je peux faire. Je peux faire directement ça. Ah ouais, par contre. Merde, non! Attendez. Hop là! Je sais comment je vais faire, je sais. Regardez, je vais attendre qu'ils passent tranquille, les fantômes, là. Et... Allez, c'est parti. Toi, dégage. Non. Deux fois. Alors, vous voyez, les petites croix, c'est là où les gens, ils ont perdu. Donc, en fait, il n'y a que moi qui a perdu ici, apparemment. Voilà. Alors, des fois, on peut voir les commentaires aussi des autres joueurs. Hein. Par exemple, je vous montre, hein, si j'appuie sur Star. Je sais pas trop comment que ça se passe, mais voilà, si je clique sur commentaire, admettons.
Voilà. Peut-être des fois, il y a des joueurs qui laissent des commentaires et on peut les voir comme ça à l'écran, c'est assez sympa. Hop là, je vais y aller tranquillement. Alors, des fois, ça sert à rien de se presser dans Mario, c'est ça en fait. Il est là le secret. Voilà! Oh, comment je l'ai eu! Yes! Là par contre. Oh, c'était chaud! Oh, c'était chaud! Oh, c'était encore chaud! C'est bon, impeccable. Donc, ça, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais. Oh non! Oh non, il est dégueulasse avec son bloc! Il est dégueulasse! Putain! Ah, ce filou! Ouais, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais ça, c'est le monde de Mario World, Super Mario World. Donc, c'est-à-dire Super Mario Bros 3 sur la toute première Nintendo, la NES. C'est pour les anciens qui connaissent un peu. Donc, ça date vraiment beaucoup, hein. Moi, je les avais finis, hein, les Super Mario World. Par contre, il manque. Oh putain, attends. Ah, c'est bon. Il me semble qu'il manque un monde dans le jeu, un environnement. Donc, il y a. Oh putain. Donc, il y a Super Mario Bros de la Wii U comme environnement. Il y a Super Mario Bros sur NES. Il y a Super Mario World. Il me semble qu'il y en a 4, je crois. Et je crois qu'il manque le monde de Super Mario Bros 2 sur Nintendo. S'il y en a qui connaissent. Oh, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu le bloc. Oh, attendez. Allez, rentre. Ouais, Super Mario Bros 2. Il me semble qu'il manque ce monde-là. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Oh, oh, comment que j'ai eu de la chance. Oh. Oh, putain. J'ai trop eu de la chance, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la porte? Non, on va dans le tuyau. Oh, oh là là, le salaud! Oh non! Il a trollé avec son tuyau là. J'aurais pas dû aller dedans, j'aurais pas dû. Oh là là, franchement, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, je saurais qu'il faut prendre la porte, hein. Je vais pas me faire ravoir avec. Ah, allez! Je vais pas me faire avoir avec le coup du tuyau. Il y a du challenge dans ce niveau quand même. Il y a un peu de challenge, hein. Il y a même pas mal de challenge. Mais il y a des niveaux où il y aura beaucoup de challenge, hein, je pense, hein. Des niveaux qui seront plus faciles, d'autres un peu moins, d'autres qui seront vraiment hardcore, je pense. Alors par exemple, s'il y en a qui connaissent, par exemple le jeu Unfair Mario, on peut faire des mondes un peu comme Unfair Mario dans Super Mario Maker. On peut en faire. C'est tout à fait possible. Allez, rentre là-dedans. C'est-à-dire des niveaux vraiment, mais infernal, quoi, j'ai envie de dire. Oh! Oh, tu... Non! Bon, allez, je me le fais bien cette fois-ci, hein. Allez, hop, toi, dégage. Impeccable. Allez, on va se le faire bien cette fois-ci. Vous allez voir. Allez. Et hop, toi, là. Ce qu'il faut, c'est pas se presser parce que, voyez-vous, enfin, moi personnellement, des fois, c'est comme ça. Plus je perds, plus j'ai envie d'aller vite dans le niveau parce que je me dis, allez, c'est bon, je connais le début, c'est comme ça, c'est comme ça. Et plus on va vite, bah plus on perd. Donc voilà, faut essayer de garder son calme et y aller tranquillement, vous voyez? Faut pas toujours se presser, ça sert à rien. Voilà, je vais regarder les bouts pour pas qu'ils bougent. Allez, rentre là-dedans, c'est bon. On est bien là. On est pas mal. Oh, oh mais non, mais comment que je peux faire? Mais je l'ai passé tout à l'heure en plus. Comment que j'ai fait tout à l'heure? À mon avis, je me suis pas arrêté tout à l'heure, c'est pour ça. Je me suis pas arrêté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire, mais cette fois-ci, on va pas s'arrêter. Allez. Allez, hop, 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 allez. Oh non! Oh non! Mais non, mais non, mais non! Allez, on va passer. Ouais, voyez, voyez, voilà. Ouais, je suis obligé de perdre. Eh, c'est vraiment, mais ce niveau, je vais perdre toutes mes vies sur ce niveau, c'est pas possible, quoi. Alors que je suis sûr qu'il y a des niveaux, mais bien plus durs que ça. C'est ça le pire. Oh, oh là là, comment que c'est passé juste? Eh, des fois, je vous dis, c'est de la chance, hein. Je sais pas comment que je fais. Je serais incapable de le refaire des fois, ce que je fais. Allez, c'est parti, là. Voilà, c'est bon.
Alors là, voilà, là je fonce. Non, c'est pas là. Ah oui, c'est pas là. Ah, regardez, il y a une porte là, si on se dépêche. Ah, si on se dépêche, on peut rentrer dans la porte. Oh non! Non! Ça se trouve, si on se dépêche, on peut rentrer dans la porte. Qui, elle-même, donne peut-être à la fin du niveau plus vite. Je sais pas. On va essayer. On va essayer de se dépêcher. Voilà. Mais je vous dis, ce qu'il y a, c'est que... Voilà, ce qu'il y a, c'est que plus on se dépêche, bah plus je vais perdre. Et je vais perdre toutes mes vies sur ce niveau. Je vous le dis, c'est obligé. Attendez, je... non, 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 c'est pas obligé. Non, je vais quand même pas perdre 89 vies sur ce niveau. Allez, on va y aller tranquillement. Tranquillement. Voilà, allez. Allez, voilà, voilà. Et là, on va se dépêcher. Attendez. Voilà. Là, on va se dépêcher. Voilà, regardez, on va bien se dépêcher. Oh, non. Allez, 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 allez. Je vais essayer d'atteindre la porte. Oh non. Oh, j'y étais. J'y étais. Eh, je vais commencer à le connaître par cœur, ce niveau. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. On va se dépêcher, là. Allez, je vais avoir la porte, là. Je vous le dis. Je vais l'avoir. Allez, allez. Oh non, mais non, mais non, mais non, 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 non. Non. On va essayer de faire bien un petit peu là. Voyez, je vous dis, hein. Plus je perds, plus je vais aller vite. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas aller vite en fait, hein. C'est y aller tranquillement. Voilà. Voilà, voilà. Allez, vas-y, allez, comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, ça. Voilà, c'est là qu'il faut que je me dépêche pour la porte. Allez. Oui. On y est. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la porte ou le tuyau? Je prends la porte. Ah. Oh. Un haricot magique qui mène nulle part. Bah, je monte là. Il est vraiment bizarre son niveau. Comment que je fais là? Je vais où là? Ah. Oh, attendez. Peut-être. Non. Ok, d'accord. Oh non, 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 non. Ouais, non, non, non. Je prends la porte. Je prends la porte. Non. Dégage toi. Ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Non, non, pas d'accord. Non, je vois pas là, attendez. Je prends la porte, ça mène où? Eh, mais sérieux, c'est... On se perd dans son niveau là, oh, oh. Je sais. Je crois que c'est mort, attendez. Je crois que c'est mort parce que le machin, il était là, là. Oh, je suis obligé de recommencer parce que... On est obligé de recommencer. Ouais, allez, vas-y, allez, vas-y. Ah, franchement, il a l'air chaud son niveau. Mais on va le faire, on va le faire. Je vais le finir. Je vais le finir, quoi qu'il arrive. Oula, allez, c'est parti. Cette fois-ci... Ouais, bah cette fois-ci, je me fais avoir par un fantôme, voilà. Voilà. Allez, cette fois-ci, on va bien le faire. Bah, on va essayer. Ça passe. Ça passe, tranquille. Voilà, voilà. Allez, comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez. Je sais pas, j'ai... Ah, c'est bon, ça passe. Allez, on va essayer de se dépêcher avec sa porte, là. Allez. Allez. Allez, là. Allez, la porte. Oh, je veux pas l'avoir. Oh, oui, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, c'était limite. J'avais fait quoi déjà? J'avais pris la porte. Ouais, j'avais pris la porte. Voilà. Et voilà. C'est là. Oh putain, c'est là. Oh, c'est là. Allez. Oui. Oh.
Oh! Mais que... Mais comment que j'étais censé faire? Peut-être me dépêcher? Allez! Ah oui, il y a le temps de passer en fait. C'est vrai, je viens de voir, il y a le temps de passer. Ouah, wow, comment que c'était chaud là. Allez. Ouh, dégage toi. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Ah oui, en fait, il y a le temps de passer. Oh non. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Oh, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. Il faut garder son calme dans ce jeu-là. Il faut garder son calme. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, là. Voilà. Voilà, c'est bon, ça. Allez. Je vais y arriver ou pas avec son niveau un jour? Allez. 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 Allez, la porte. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ok. Je prends la porte. Très bien. Alors, il y avait un machin. Il était où? Il était là. Ok. Voilà. Allez, rentre là-dedans. Allez, c'est parti. Oh! Oh oui! Oui, oui! Oh, c'est bon. Oh! Un Yoshi. Ça me donne... Ah oh, je sais pas comment que j'ai fait, j'ai eu de la chance. Hein. Ah, vous voyez les pièces, c'était un piège. Il voulait que j'aille chercher ces pièces. Il voulait. Mais il a réussi en plus. Il a réussi à m'avoir. Mais... Je suis pas mort. Oh, j'ai eu de la chance, franchement. Il y avait du challenge dans son niveau. On va y donner une étoile. Franchement, bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de challenge. Allez, ce qui nous emmène au 7ème niveau. Allez, oh là là. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça a l'air... Ça a l'air assez simple. Ma foi. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a. Il y a quoi là-dedans? Oh, bon, on va prendre ça. Oh, attendez, ça a l'air assez simple. Je suis capable de perdre, moi, là-dessus. Hein. C'est ça, le pire. Hein. Voilà, non, c'était simple. C'était très simple. Voilà. C'était très simple. Mais au moins, il a eu le mérite de faire un niveau. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui nous emmène au dernier niveau, il me semble, si je ne m'amuse. Help, j'arrive. Donc, est-ce que ça va être un château de Koopa? Normalement, à chaque fois qu'il faut délivrer la princesse, c'est des châteaux de Koopa. Eh ouais, c'est un château de Koopa. À mon avis, ils font bien exprès de choisir un niveau aléatoirement en château de Koopa à la fin. Oh, comment que j'ai eu chaud la casquette, là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Oh! Ah, oh, je l'ai eu! Oh, c'était simple. C'était simple. C'était un petit château de Koopa, mais plutôt simple. Yes. J'ai quand même perdu pas mal de vie. Hein. Allez, on continue. Ah. Petite cinématique. Désolé Mario, mais la princesse est dans un autre château. Alors pour ceux qui se souviennent, en tout cas moi je m'en souviens sur la NES, hein, la Nintendo, il disait déjà cette phrase. Voilà, dès que vous finissez le stage, il disait « Désolé, mais la princesse est dans un autre château », ainsi de suite. Alors là, on a la liste de tous les concepteurs des niveaux. Donc, vous voyez, hein, c'est des gens... voilà, des joueurs qui ont créé des niveaux à suivre. Et en fait, si vous voulez... Au final, ce jeu n'a pas de fin. Oh, j'ai gagné quoi? Le champignon propose maintenant un nouveau costume de personnage. Excellent! Ah oui, parce que si vous voulez, on peut poser des amiibos sur le gamepad pour pouvoir avoir des nouveaux skins de personnages. Mais... On n'est pas obligé de posséder des amiibos. Moi, personnellement, j'en ai pas. Et voilà. On peut les gagner comme ça. On peut les débloquer tout simplement comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon niveau. Qui est, ma foi, bien pourri. Mais je l'assume. Je le dis. Alors, tac. Alors, surtout, vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos niveaux.
ce serait bien. Moi, j'adorerais jouer vos niveaux. Pour ceux qui possèdent le jeu, par exemple, vous m'envoyez... ça marche avec des petits codes, hein. Vous m'envoyez le code et tout, et... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Comment que faut faire? Je crois que c'est comme ça. Ah, voilà, créer un stage. Je vais vous montrer un petit peu le début de mon niveau. Ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc déjà, j'hésitais... Alors moi, j'ai pas tous les thèmes de débloquer, hein. J'en ai que deux. Voilà. Moi, j'aime bien le thème Mario Wii U, ça me parle bien. J'aime bien les autres aussi, ça a du charme en HD. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment pas grand-chose de développer. Voilà, donc regardez bah, ce que j'ai fait. Vous allez voir mon niveau, hein. J'ai pas fait spécialement grand-chose. Voilà, et... Ah bah attendez, mais en fait, j'ai rien fait, c'est quoi ce délire? Non, non, c'est pas mon niveau, ça, oh. Non, 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 non. Oh, ouvrir. C'est pas mon niveau du tout, ça. Voilà, mon niveau, il est là. Voilà. Ça, c'est les niveaux... Oui. Voilà. Ça, c'est mon niveau. Ah oui, je me disais aussi. Voilà, vous voyez, moi, j'ai fait quelques petites modifications. Mais alors, je suis archi nul en créativité, hein. Je vous dis, il est pas fini, hein. C'est que le début. Voilà, regardez, c'est... Voilà. Et donc, prétentieux comme je suis, j'ai prévu de faire un très grand niveau. Vous voyez, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors je vais vous montrer, je vais jouer le début un petit peu pour vous montrer. Voilà. Disons que... Ah regardez, hein, j'ai fait des petits coups de vis, hein. Hein. Ah, je m'y connais en coups de vis. J'avais pas mis un truc là? Ah non. Il me semblait que j'avais mis des ailes. Voilà, là j'avais mis des petites pièces. Par exemple, il y a un truc que je sais pas faire. Alors peut-être que je vais le débloquer plus tard. Je sais pas comment faire rentrer Mario dans un tuyau en création de niveau, hein. Comment le faire rentrer dans un tuyau et le faire ressortir par exemple dans un autre ou par une porte. Mais peut-être que je l'ai pas encore débloqué. C'est possible. Là, il me semble que j'ai mis un champignon. Voilà, là j'ai mis des ailes. Voilà, bah en fait j'ai mis trop de champignons. Moi, il y a plus de challenge. Franchement, il y a vraiment plus de challenge. Ok, d'accord. Bon bah voilà, c'était le début de mon niveau, quoi, on va dire. Donc, eh bien, dites-moi ce que vous pensez du jeu. Envoyez-moi vos niveaux pour que je puisse les tester. Et puis, pourquoi pas se refaire une petite vidéo ensemble. Voilà, ça pourrait être sympa. Une petite vidéo où je jouerai vos niveaux que vous m'aurez proposés. Et moi, j'essaierai de vous faire un niveau à vous proposer. Mais je peux pas vous proposer ça, clairement. C'est pas à la hauteur d'un bon niveau de Mario. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez un petit commentaire, un petit like si vous voulez voir d'autres vidéos sur Super Mario Maker. Et nous, on se retrouve sur d'autres vidéos. Et ciao tout le monde, bye!